Que le Seigneur vous bénisse. C'est le troisième jour de confinement pour moi. Je voudrais déjà vous parler aujourd'hui de ma vidéo. Premièrement, je voulais dire que j'ai vraiment la joie d'être un grand-père. J'ai 5 petits-enfants et pour moi, c'est une grande joie. À 59 ans, bientôt je vais avoir 60 ans cette année. J'ai déjà 5 petits-enfants, dont Andrea, la belle Andrea. C'est magnifique. Bon, tu bouges un peu, Andrea. Bon, c'est pas grave, hein, c'est. Pas le droit de bouder, même si il y a le corona, mais ça, pas le droit de bouder. Ok. Bon. Je voulais dire ceci, premièrement, quand je fais des vidéos, c'est d'abord pour mes brebis, mes propres brebis. Quand je parle de l'écoute des bandes, c'est d'abord pour mes propres brebis, parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne force personne à écouter les bandes, c'est moi et mes brebis. Ok. Deuxièmement, pour mon exhortation du jour, je vais seulement dire que le confinement, c'est pour notre bien. Quand l'État prend des mesures comme ça, c'est pour notre bien. Et aussi, c'est dans l'adversité que nous trouvons les meilleures choses. Ok, donc pour l'exhortation du jour, je voulais parler d'une pensée qui m'est venue aujourd'hui vers 4 heures du matin. C'était par rapport au quatrième homme dans la fournaise ardente. Il y avait une fournaise ardente. Le four était chauffé 7 fois. Logiquement, tous ceux qui étaient dans le four ou qui était supposé être dans le four, devait brûler, devait cramer. Mais la Bible nous parle de quand on a jeté les 3 enfants hébreux, ils ont été jetés dans la fournaise. Les gens qui les ont jetés, c'est eux qui se sont brûlés. Mais eux, comme ils étaient des croyants, ils croyaient en Jéhovah. Et nous n'oublions pas que Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Donc, eux, ils ont été jetés là-dedans. Ils étaient déjà ligotés. Le feu n'a fait que brûler les liens. Parce que le quatrième homme est descendu dans la fournaise ardente. Donc, même en plein confinement, le quatrième homme est avec nous. Il est avec nous, il marche avec nous. Et regardez comment l'attitude de ces 3 croyants, ils étaient en train de fraterniser avec le quatrième homme alors que les temps étaient difficiles. Donc si à un temps nous devons nous vraiment fraterniser et avec Jésus et avec des frères et sœurs, c'est bien maintenant, hein, hein Andrea, c'est ça, hein? Donc c'est bien maintenant, c'est le moment où on doit resserrer nos rangs. Shadrach parle à Meshach, Meshach parle à Abednego, et tous nous parlons au quatrième homme, qui est Dieu. Ça, c'est un moment extraordinaire. Et j'ai vu des gens revenir à Dieu, revenir au message dans des moments comme ça. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, même ceux qui étaient contre l'écoute des bombes, mais ils écoutent. De toute façon, ce n'est même pas un problème. On ne va pas faire de problème. Vous ne voulez pas écouter, ce n'est pas grave. Mais il y en a qui écoutent. Ben non, on ne dit pas qu'il ne faut pas écouter votre pasteur. Mais numéro 1, les bombes. Numéro 2, Éphésiens 4. Parce que Dieu n'a pas dit, je vous enverrai les Éphésiens 4. Je m'explique. Je sais que ça, c'est un choc. Je m'explique. Dieu a dit, disons qu'avant que Dieu dise,
je vous enverrai Élie le prophète. Les Éphésiens 4 étaient déjà là. Donc, les Éphésiens 4 n'ont pas commencé avec William Branham. Vous voyez, ils étaient déjà là. Mais Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et Élie, c'est un homme, un ministère, le ministère d'un seul homme. Dieu n'a jamais traité avec deux, trois, non. Il traite avec un seul homme et les autres suivent le message. Ils sont les auxiliaires de cet homme-là. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, je vous dis, be still, soyez tranquille. Et bientôt, nous partirons à la maison. Maintenant, entre-temps, nous fraternisons. Ça, c'est vraiment un moment glorieux. C'est des moments où vous devez rester en famille, fraterniser, prier ensemble, resserrer vos rangs et voilà, prendre les nouvelles des uns les autres. Et c'est dans des moments comme ça qu'il faut exercer le troisième pôle. Donc si tu n'en as pas d'argent, mais parle et la viande va sortir sur ton assiette. C'est le moment. Aujourd'hui, ce n'est plus le moment de discuter sur des doctrines, tout ça. Non. C'est le moment où tout ce que nous avons appris, nous devons maintenant le mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. Shalom.